Yop les potes, c'est Alex. Je vous fais juste cette petite intro parce que depuis le début de ma chaîne, je fais de la batterie. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis quelqu'un qui, à force de jouer, eh ben, je tape de plus en plus fort. Donc, ce qui fait que plus je tape fort, plus j'ai de chances d'être sourd plus vite dans le futur. Ce qui fait que, comme vous l'avez vu depuis le début de mes vidéos, j'ai un gros casque sur les oreilles qui est ici. Et autour de mon cou, je sais pas si vous voyez, mais voilà, j'ai des petits bouchons d'oreilles comme ça. Cette vidéo, c'est un intro, c'est un petit message de prévention pour vous dire que si vous êtes batteur, ou si vous êtes quelqu'un qui travaille par exemple, dans les chantiers, où il y a du bruit, où vous faites quelque chose où il y a beaucoup de bruit autour de vous, veuillez, s'il vous plaît, je veux pas que... Je vais pas dire que c'est de ma faute, hein. Parce que c'est pas de la mine du tout, c'est de la vôtre, c'est votre responsabilité. Mais si vous travaillez dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, ou si vous faites de la batterie comme moi, prenez des précautions, s'il vous plaît. Si vous faites comme moi, vous faites de la musique avec, enfin, si vous faites de la batterie avec de la musique dans les oreilles, avec des écouteurs, n'importe quel qu'il soit, prenez un casque comme ça. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est un casque réducteur de son. Ça coûte pas cher, ça coûte, je sais pas, moi, je sais pas. Là, c'est un Big Price. Avec mon joli accent anglais, je n'ai pas de référence. Mais prenez-en, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. Vaut mieux acheter quelque chose qui vaut, j'ai exagéré, hein, 50 euros pour ne pas être sourd que qu'être sourd et puis ne pas avoir. Parce que je vous rappelle que être sourd, ça ne se répare pas. Puis après, vous avez ça, vous avez des bouchons comme ça qui sont utiles par exemple quand vous travaillez dans la mécanique ou dans une usine où il y a beaucoup de bruit, vous prenez ça ou vous prenez des petits bouchons en mousse que vous aplatissiez et que vous mettez dans votre oreille et laissez gonfler pour que ça prenne forme, on va dire, pour que ça prenne l'empreinte de vos oreilles. Et après, vous pouvez aussi, je sais que ça se fait, faire des bouchons d'oreille personnalisés à votre oreille, c'est-à-dire que bon, ça coûte cher. Hein, je connais des gens qui en ont et ça coûte bien cher. C'est des trucs personnalisés à votre oreille, ce qui fait que vous n'entendez quasiment rien du tout. Vous entendez moins bien, enfin, moins bien qu'avec ce casque-là et moins bien qu'avec ça. Et moins bien qu'avec les bouchons d'oreille, bien sûr. Oh, je reçois trop de notifications. Moins bien qu'avec les bouchons d'oreille en mousse. Voilà. Je pense qu'il y a aussi. Je pense que ça peut se trouver sur le marché. D'ailleurs, il faudrait que je vois si c'est possible d'en avoir. Un casque comme ça, mais qui mette directement la musique dans les oreilles. C'est-à-dire que ça soit un casque réducteur de son, un bon réducteur de son, hein, pas genre le Bose QC25 ou QC35 qui réduit les sons extérieurs. Non, parce que ça, c'est plus un casque pour écouter la musique, pas pour jouer de la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ça, c'est vraiment quelque chose, je vais pas dire typique pour les batteurs, mais voilà. Et je sais qu'aussi ça existe pour des bouchons d'oreille qui émettent du son, mais ça coûte cher aussi. Hein. Donc voilà. Donc moi sur ce, je vous laisse avec la vidéo donc Manhattan Kaboul, hein, d'Axel Red et de Renaud. Sur ce, moi je vous dis à plus. N'hésite pas à mettre un petit like, à commenter, à partager surtout pour que je sois de plus en plus connu. Voilà, non, je rigole. Et abonnez-vous. Allez, bisous. Mon ciel si bleu est devenu orage.
connu vos agonies, mais pourtant pulvérisé sur l'autel de la violence éternelle. Son orgueil mourait à Pékin. De la poudre de perlimpinpin.